Hey, coucou, on est le mardi 22 juin. Bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog, du coup, puisque j'ai pas, comment dirais-je, commencé hier, puisque hier j'étais complètement capoute, donc j'ai dit bon, voilà, ça sert à rien d'aller les voir et leur parler si c'est pour être complètement capoute. Et aujourd'hui, je suis toujours fatiguée, mais ça va mieux. La preuve, c'est que j'ai réussi à utiliser mon cerveau ce matin même. J'ai travaillé. Bon, hier aussi j'ai travaillé, mais là j'ai réussi vraiment à faire des trucs plus qui demandaient beaucoup plus de concentration, donc déjà c'est pas mal. Donc aujourd'hui on est dans mon salon, et pourquoi? Parce que bon, je travaille, donc qu'est-ce que je fais dans mon salon, hein? Bonne question. J'avais envie de faire une petite pause pour vérifier si j'avais tous les carrés pour la couverture de ma sœur. Normalement c'est fini, j'ai arrêté d'en faire, donc il faut quand même que je compte pour être sûre de tout avoir, parce que sinon ce serait ballot quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai emmené là. Je vais vous montrer déjà les carrés. Attendez, je vais vous bouger, vous allez voir ça. C'est pas très pratique. Ils sont rangés là. Là, dans ma table, j'ai un bac et donc j'ai tout entassé là. Vous voyez, tous les carrés qui sont là. Hop, je vous remonte. Et donc, je vais les compter. Et puis, je vais voir un petit peu. Aussi, je voulais les disposer un petit peu pour voir ce que ça donne au final, quoi. Comme résultat. Hop. Et puis sinon, je voulais vous montrer un autre truc, puisque hier j'ai tricoté ma chaussette, mes petites chaussettes, un peu comme le patron élastomère de Lysandre. Et donc voilà ce que ça donne. Moi je suis super contente pour l'instant, j'en suis sur la fin. J'ai dû m'arrêter hier parce que j'avais plus de fil et que j'avais la flemme d'aller à l'atelier pour en chercher, sachant que mon atelier est dans une pièce est séparé de ma maison, donc il faut que je sorte. Et j'étais en pyjama et il faisait nuit et tout, donc j'ai plus trop envie d'aller dehors. Donc je suis pas sortie et donc j'ai arrêté de tricoter, j'ai lu à la place. Et j'ai pas pu terminer ma chaussette. Mais bon, voilà ce que ça donne pour l'instant, avec la marionnette chaussette. et voilà, c'est plutôt cool, quoi. J'ai pu faire tout le talon. J'ai fait un talon renforcé. Et puis j'ai pu faire pratiquement toutes les côtes. Là, il faut que je termine en fait. Mais il n'y en a pas pour bien longtemps. Et je suis super contente, je les trouve trop mignonnes, mes petites chaussettes. Et voilà. Hop. Et donc là, ça y est, j'ai, vous voyez ici, là, elle y est, la pelote, pour continuer ce soir. Sinon, au niveau lecture, je suis toujours en train de lire ceci, The Wonder Boy, A Whistle Stop. Je suis sur la fin. Il me reste 30 pages et bon, ce sera fini ce soir, ça c'est sûr. Je reste un peu sur comment dire, la vision que j'avais de ce livre, qui est sympa mais pas à la hauteur du premier du premier, qui est pour rappel Beignet de Tomate Verte. Donc là c'est en français Retour à Whistle Stop. En plus, y a un truc vers la fin, je l'avais vraiment deviné, donc je le voyais venir gros comme une maison, c'est le cas de le dire. bon, voilà, c'est chouette, ça fait plaisir de retrouver ces personnages. En plus, le premier Beignet de Tomate Verte, il a été écrit, si je ne m'abuse, dans les années 80, donc...
C'est vrai que enfin voilà, ça fait plaisir de retrouver des personnages qu'on avait quittés depuis un moment, même si bon, moi je ne l'ai pas lu dans les années 80, mais j'avais vu le film, qui est quand même assez ancien maintenant. Et je l'avais vu vers le moment de sa sortie. Et enfin il me semble. En tout cas, sa sortie en France. Genre, moi j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient abonnés à Canal+ quand j'étais jeune, donc on pouvait voir pas mal de films et je pense que c'est là que je l'ai vu. Ensuite j'avais lu le livre il y a 7-8 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et bon, du coup voilà, ça fait plaisir de retrouver tous ces personnages qu'on adore, mais l'histoire n'est pas à la hauteur quoi. Il y a des choses qui m'agacent en plus, mais bon, c'est pas grave. Des choses qui m'agacent sur... enfin voilà, des gens qu'on a envie de secouer, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est quand même une lecture agréable, quoi. Mais c'est pas la révélation. Hop, bon. Eh ben, on va s'y mettre parce qu'après, il faut que je retourne bosser quand même, les amis. Hein. Pas que ça à faire. Et puis, voilà. Ça fait il y a 10 tas et chaque tas a 10 carrés et il m'en fallait 100, donc on est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et là vous voyez, ce sont les petits restes de pelote que j'ai d'avoir fait tous ces carrés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que j'aimerais voir en les assemblant un peu ce que ça donne en termes de grandeur et tout ça, et puis voir un peu au niveau du look. Donc on va faire ça, puis je vais vous montrer. Je vais pas faire comme ça, je pense qu'il faut que j'aimerais les assembler par qualité de moutons, quoi, puisque c'est tout des moutons différents. Pour rassembler les couleurs ensemble, j'aimerais bien sur la couverture que les mêmes couleurs soient ensemble et pas complètement dispatchées dans toute la couverture, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut que je les rassemble en premier. Et je pense que je vais faire ça là, comme ça ce sera fait, comme tout est sorti de toute façon. Et bah, vous avez vu ce que ça donne, c'est... je vous montre comme ça. Voilà, ça va faire des... on appelle ça en patchwork le motif moulin à vent. Et moi j'aime bien, j'ai toujours bien aimé ce motif d'ailleurs.
Et donc voilà, je vais faire ça. Et là, vous voyez mon châle qui sèche. Au fond. ouais, je vais faire ça. Et voilà. Voilà, j'ai fini de trier mes carrés par couleur. Et c'est rigolo parce que alors, vous voyez là, en haut j'ai mis les gris, en bas j'ai mis les marrons. Et j'ai autant de teintes de chaque couleur. Donc vous voyez, alors là, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. C'est pas si évident que ça à la caméra avec cette lumière un peu bizarre. Là c'est les gris, donc ça c'est un gris vraiment très clair. Et celui-là, il est très chouette puisqu'il est bleuté. Voilà, et là on va du coup vers des gris de plus en plus foncés. Youp. Et là on a les marrons, donc là du marron clair presque qui tire sur le gris aussi, avec un marron un peu plus foncé, là un marron vraiment très très, comment dire, couleur tabac ou vous voyez ce genre de couleur, et là plus foncé et là presque noir. Voilà les petits carrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense je vais partir du gris clair et tourner autour en disposant mes carrés autour et pour essayer d'aller vers le noir sur les bords. Ça peut être sympa. Je vais proposer à ma soeur aussi pour voir si ça lui plaît l'idée. Mais je suis plutôt contente, ouais. Coucou les amis, on est toujours mardi et je viens de manger pour tout vous dire. Je suis avec mon petit café là. Et j'avais envie de vous parler d'un truc parce que en ce moment c'est un peu dur pour moi au niveau créatif. On dirait pas parce que je fais plein de trucs. Vous voyez, je viens de... Si je rationalise les choses, on va dire, je viens de terminer un design de châle que j'ai créé. Je viens de coudre plein de choses. Dans le dernier vlog, vous avez pu voir une blouse, une tunique, des trousses qui sont là d'ailleurs, les petites trousses pour les maîtresses. Je fais des choses et pour autant j'ai aujourd'hui cette sensation, ce sentiment de pas être du tout créative, de pas y arriver, de faire des choses pas originales, enfin voilà, vous voyez ce truc un peu. Et en fait ça vient du fait que à chaque fois que je suis fatiguée, de toute façon, j'ai ce sentiment-là. Et aussi, ça vient beaucoup de la comparaison. Parce que, non pas que les autres gens me comparent à qui que ce soit, hein, ça, personne ne m'a jamais rien dit en tout cas, même si c'est le cas, mais... moi je me compare et ça je suis sûre que vous ou en tout cas certains d'entre vous le font aussi. On est sur les réseaux sociaux, enfin c'est hyper cliché hein, ce que je vais dire hein, c'est pas genre la nouveauté de l'année quoi, mais bon. On est sur les réseaux sociaux, on voit ce que font les autres, les belles photos, les images, tout ça. Et forcément, on compare ce qu'on fait nous. Surtout que moi, c'est d'un point de vue professionnel. Et donc, quelque part, il faut bien que je me tienne informée de toute façon de ce qui se fait. Et c'est quand même pas plus bête. Et puis, ça m'intéresse, accessoirement, parce que je trouve ça super de découvrir ce que font les autres. Et leur travail et tout ça, et je trouve que c'est aussi très inspirant quelque part, mais en fait il y a ce truc aussi des fois, surtout quand on est fatigué comme c'est mon cas aujourd'hui, où on regarde ce qu'a fait quelqu'un et on se dit waouh, c'est trop bien, mais jamais de ma vie entière
j'arriverai à faire un truc aussi bien. Donc, pourquoi je continue? C'est ça, en gros, l'idée. Et, pardon, j'ai envie de café. Vu que je suis fatiguée, vaut mieux ça. Je prends un peu de café. Et c'est vrai que c'est un truc de fou, parce que quand je rationalise, je me dis, non, je fais aussi des choses chouettes, je fais des choses bien, et il y a des fois où je suis super contente de ce que j'ai fait, et comme pour mon châle, par exemple, où je suis vraiment contente, et j'en reviens pas, quoi. Je me dis, il y a ne serait-ce qu'un an, on m'aurait dit, tu vas créer un design de châle, j'aurais fait, ouais, c'est ça, bien sûr. Mais au final, j'ai réussi et je le trouve bien. Donc, bon. Comme quoi, des fois. Enfin, voilà, je suis pas toute nulle, quoi. Mais c'est vrai que c'est dingue, quoi, ce truc de. Se comparer tout le temps aux autres. Je pense que ça vient aussi de l'envie de bien faire, quelque part. Parce que. Moi, je me dis toujours, j'ai envie, par exemple, niveau boulot, de vous proposer des choses qui vous plairont, enfin, évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt, de vous proposer des choses originales, bien faites, et voilà, qui donnent envie, quoi. Et j'avoue que c'est pas évident, parce que bon, déjà, un des problèmes majeurs, c'est que je suis toute seule à réfléchir à ces choses-là. Et sincèrement, je sais pas ce que vous voulez, vous. Moi, enfin, je me dis toujours, faudrait que je fasse autre chose que des sacs à projets, parce que les sacs à projets, oui, il y a quelques personnes qui les collectionnent, hein, moi y compris, mais la plupart des gens, je pense, ils en ont pas 50 000, quoi, et puis c'est quand même... des sacs de qualité, donc une fois qu'on en a un, deux, bon, on n'a pas besoin non plus de 450, quoi. On va pas en acheter toutes les 5 minutes, j'imagine. Et du coup, je me dis toujours, oui, il faudrait que je diversifie mon offre, que je fasse d'autres choses, mais quoi faire? Et surtout que souvent, quand je diversifie, que je propose des choses nouvelles, ça marche pas super. Donc, c'est un peu compliqué, quoi, hein, de se dire... Enfin, de chercher des choses nouvelles et qui plaisent et diversifier et voilà, et réfléchir à tout ça en plus quand on est seul et qu'en même temps on doit continuer à produire, continuer à faire, continuer à travailler et à avancer. Enfin, c'est fou. C'est hyper complexe en fait. C'est toute la difficulté. C'est aussi pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que. Enfin, je sais qu'il y a des personnes dans l'assistance qui sont elles aussi en freelance, qui sont indépendantes et qui du coup vivent la même chose. Mais il y a aussi plein de gens pour qui c'est pas du tout le cas. Et donc se rendent pas forcément compte de ça. C'est de la difficulté de travailler seul en fait. Ce serait. En fait, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est-à-dire que quand on travaille en équipe, puisque je l'ai fait aussi au niveau édition notamment, moi j'ai travaillé dans une maison d'édition, on était en équipe, on brainstorm, on réfléchit ensemble, et du coup, c'est vachement plus, comment dire, créatif, productif, on a des bonnes idées, tout le monde a des idées, on rebondit dessus, et du coup on part dans des directions qu'au départ on n'avait pas forcément imaginées, mais finalement qui sont bien meilleures que celles qu'on avait prises à l'origine. Et ouais, c'est pas... Tout seul, c'est pas évident d'avancer aussi bien, je trouve. Enfin bon, voilà, je suis désolée pour ce truc, c'est un peu... j'ai pas du tout préparé, évidemment, je prépare jamais en fait ce que je vais vous dire, hein, si jamais vous en doutiez. Ça se voit en fait, ça se voit, mais bon, je préfère le dire. Et ouais, c'est vrai, je pense que, enfin voilà, c'est compliqué, parce qu'à la fois c'est important, voilà, de pas se comparer aux autres, parce que...
on est soi-même et c'est très bien. Et enfin voilà, on fait tous des choses différentes et c'est parfait, quoi. Et ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais à la fois, on s'intéresse à ce que font les autres et forcément, on compare, quoi. Enfin. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Je sais plus, mais... Ah oui, sur la remise en question. J'en parlais avec une amie hier de ça. Parce qu'il y a aussi ça, qui est comme moi, quand je remets facilement... J'ai la remise en question facile, quoi, on va dire. Donc, ce qui est très bien, dans certains cas, puisque je trouve que... C'est essentiel en fait de savoir se remettre en question pour avancer dans la vie, pour évoluer. Ça, ok, c'est très bien. Mais en fait, moi, je pense que. Enfin, cette amie m'a mis ça en lumière et c'est tout à fait vrai. C'est que je pousse la remise en question un peu à l'extrême, quoi. C'est-à-dire que le moindre truc va me faire tout remettre en question. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, j'ai un peu un coup de pompe, je suis un peu fatiguée, du coup j'ai l'impression de ne pas être créative, du coup je me dis, est-ce que je fais bien le bon boulot? Bonne question, parce que quand même, entre l'édition et la création en couture, c'est quand même deux boulots créatifs. Donc peut-être que je ne fais pas du tout le bon travail, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, voyez mon cerveau un peu comment il fonctionne. C'est pas toujours reposant d'être dans mon cerveau. Ou d'être la personne autour du cerveau. Parce que là, c'est vrai que je me disais... je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, je me suis comparée à deux personnes. J'ai vu les magnifiques sacs qu'a créé Mélissa de Petite Moutaine. Sa collection de beaux sacs, je les trouve magnifiques, ils ont l'air hyper réussis, et puis bon, j'ai déjà vu en vrai le travail de Mélissa, elle travaille hyper bien, donc je ne doute pas une seule seconde que la couture est parfaite, quoi, qu'il n'y a rien à redire. Et j'ai vu ensuite, je regardais la vidéo de Claire de Laisse Filer sur sa collection de sacs en écoprint, et que j'ai trouvé génial, hyper créative. En plus on suivait son processus créatif de cette collection, ce que j'ai trouvé très très intéressant et très enrichissant. Et en fait, j'ai éteint la vidéo, j'ai fait « Je sais bon Mélise, là, ça va pas quoi, toi, tu fais quoi? Tu fais quoi toi, hein? T'en es où exactement? Raconte-nous un peu. Mets-toi sur le divan Mélise. » Vous voyez ce que je veux dire quoi? Tout de suite je me suis dit... Non mais moi je suis pas à la hauteur quoi. Ces filles elles font des trucs sensationnels et moi je fais quoi? Je fais rien. Ce qui est pas vrai du tout en plus. Mais je sais pas. Tout de suite on se dit oulala. Après je me dis non mais vu comme elles sont créatives, moi je suis pas aussi créative. Est-ce que c'est bien nécessaire de continuer dans cette voie? C'est affreux hein. Ouais. C'est affreux. Et ouais, et je pense que un truc que j'essaye de faire maintenant, parce que je me suis rendu compte quand même de ça, du fait que je remets les choses en question beaucoup trop en fait, c'est que j'essaye de, mais à d'autres niveaux aussi, et j'essaye de prendre le temps de souffler. C'est-à-dire que c'est... Au lieu de foncer, tête baissée, en me disant remise en question, on réarrange, on revoit, on réorganise, on retruque, je souffle un bon coup, je laisse poser, j'attends quelques jours, je me repose, parce qu'en général ça y fait, et ensuite je me dis bon, on en est où? Est-ce que on en est au même point? Auquel cas, bon, il va peut-être falloir. Approfondir le truc, ou est-ce que finalement ça va mieux et avec un peu de repos et un peu de recul, est-ce que finalement oui je suis plutôt dans la bonne voie et je devrais continuer, hein. En général j'arrive à cette conclusion là, donc voilà,
Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du tout, je trouve, évident. Et c'est vrai que quand on travaille, par exemple, dans une entreprise ou enfin, en tant que salarié, pour d'autres gens, on a ce truc qui fait que même quand nous, ça va pas ou qu'on a un peu un coup de mou, il y a quelqu'un d'autre qui va aller bien et qui va nous tirer un peu vers le haut. Ou alors, de toute façon, ben, ça n'empêche pas qu'on a une liste de choses à faire et faut qu'on les fasse et voilà, sans se poser de questions. Je vous dirais, moi aussi, j'ai des choses à faire et il faut que je les fasse et pas que je me pose une question. Mais on va dire, l'avenir n'est pas tout tracé. C'est-à-dire que moi, du travail, j'en ai en général. Je peux pas prévoir des masses, quoi. C'est-à-dire que l'édition, ça tombe du jour au lendemain. Donc, je sais pas. J'ai du mal, j'ai pas du tout de perspective sur un an, par exemple. La couture, je pourrais m'arranger un peu. Après, c'est aussi un problème qui m'est propre, qui est que j'aime bien créer avec l'inspiration du moment et pas. Je trouve que, enfin voilà, quand on crée, c'est compliqué de se mettre un planning, quoi. Enfin, un planning, si. Je peux me dire entre telle date et telle date, telle date, il faudrait que je fasse, que je prépare le calendrier de l'Avent, par exemple. Mais sinon, c'est pas super évident, quoi. Enfin bon, voilà. Je voulais vous partager un petit peu toutes ces réflexions pour vous montrer que ben, c'est pas toujours facile, ma bonne dame. Et voilà, et ni pour vous ni pour moi, quoi. Bon, je vais vous laisser sur ce. Je vais retourner travailler parce que je suis en train de rédiger un cahier de maths, figurez-vous. Donc il faut que je m'y remette. Et puis que je boive mon café. Allez, à plus. Et coucou, on est le jeudi 24 juin et il est 8h30. On est dans mon salon, non pas parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas, j'aimerais bien, mais parce que je voulais vous faire un petit point tricot, tout ça, avant de démarrer la journée. Et comme mes encours sont plutôt là, et ben c'est plus pratique que d'avoir à tout trimballer là-bas. Ouais, non, aujourd'hui je travaille, j'ai un atelier couture là juste après en fait. Donc c'est bon, j'ai déjà tout rangé l'atelier, tout est nickel, il faut juste que je sorte 2-3 bricoles avant qu'elle arrive. Je suis en train de regarder l'heure, oui, j'ai largement le temps de vous parler 5 minutes. Hein. On va commencer par le tricot que j'ai terminé l'autre jour et que j'ai bloqué. Donc là il est bloqué maintenant, le joli châle, enfin le joli châle, moi je le trouve joli. Il est bloqué, du coup, c'est chouette, il est bien plus... Alors, bizarrement, voilà, je vais essayer de faire une phrase complète. Hein. Vous inquiétez pas, ça vient, hein. Ça vient. Il suffit d'être patient, des fois. Habituellement, on dit, et j'ai pu le constater aussi par moi-même, que ça ne sert à rien de bloquer de l'acrylique. Parce que l'acrylique, ça ne réagit pas du tout comme la laine. Cela dit... là, j'ai bloqué, oui, je l'ai bloqué vite fait, quoi, mon châle. Alors, certes, je pense que ça s'étire pas comme de la laine, mais le lavage lui a fait le plus grand bien. Il s'est drôlement assoupli, vous voyez, là, il a un joli drapé, et il a pris quand même une forme, enfin voilà, ça l'a aidé à prendre la forme qui va. Vous voyez, la pointe, elle est bien. Rien de ce que je vous montre, mais oui, on voit une belle pointe. Et puis voilà, il est chouette, quoi. Et donc du coup voilà, à mettre au cou une fois bloqué, c'est plus facile et c'est plus agréable, voilà. Et il est bien, il a une bonne longueur au final. Enfin un bon châle doudou d'hiver, j'aime beaucoup. Enfin d'hiver et d'automne. Hein. Et puis franchement, c'est le genre de châle aussi. Quand on traîne là, le soir au jardin, la nuit après avoir mangé, là, vous savez, avec les amis, là, une petite couverture chalesque, hein, et ben, il faut bien ça, en fait, hein, ça va bien.
le châle, mon ami pour toute l'année. Le petit slogan de Mélise, c'est reparti. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, j'ai un mof. Un mof, pour ceux qui suivent. Moitié d'objets finis, bien sûr. Et moi, mon mof, c'est donc une chaussette, puisque les objets qui vont par deux, qui ont donc des moitiés, c'est soit des mitaines, soit des moufles, soit des chaussettes. Et donc voilà, la petite chaussette que j'ai réalisée en faisant un semblant de chaussette élastomère. Voilà, j'ai pas le patron, qui doit être très bien d'ailleurs, hein. Je vous conseille d'aller le prendre. Moi, je vous avais dit que j'avais eu cette idée-là avant même de connaître le patron de Lysandre. Et donc, je me suis dit, je vais tester mon idée, voir si ça fonctionne. Et ben, ça fonctionne, je suis en train de la mettre pour vous montrer. Regardez, acrobatie du jour bonjour. Vous voyez, l'idée, c'était de faire une chaussette plus haute derrière, comme certains modèles de chaussettes en coton, on voit comme ça. Et en plus, ce que je trouve en termes de plus-value, c'est que ça tient bien le pied. Parce que, je vais vous montrer l'autre chaussette que j'ai là, que j'avais au pied ce matin. C'est celle-ci. Une petite chaussette toute simple, où j'avais fait juste... je voulais tester une bordure en mousse. Alors c'est sûr que le mousse, on est d'accord, ça tient pas le pied. Mais je m'étais dit, qu'est-ce que ça change, puisque de toute façon... le modèle que je cours, enfin de chaussettes basses que j'avais fait auparavant, c'était celui des Rose City Rollers, qui juste au bord, en fait, c'est juste du jersey. On fait rien, on part en jersey et on continue, et le jersey roulotte un peu, et voilà, c'est ça la bordure. Donc je m'étais dit, bah pourquoi pas faire du pamousse. Et donc autant les Rose City Rollers que celle-ci. L'inconvénient, c'est que des fois, elle glisse sous la chaussure. Ça, vu qu'elle tient pas très bien au pied. Et ben, je pense que je n'aurai pas ce problème avec celle-ci, puisque la bordure en côte et la bordure remontante fait que la cheville est quand même assez bien tenue. Et je pense pas perdre ma chaussette au fin fond de... au fin fond de ma chaussure. Je sais pas si vous avez vu grand-chose. Voilà comment c'est, de derrière, hein, je continue les acrobaties, de dessus. Donc je suis super contente, et je les trouve toutes mignonnes, mes petites chaussettes. Voilà, et pour les laines de ces chaussettes, pour rappel, alors ça c'est de la Célène. Célène, elle fait toujours des très jolies couleurs, j'adore. Et ça c'est... alors, la blanche... C'est la couleur Milk Bottle, de bouteille de lait, hein, littéralement, de West Yorkshire Spinners. C'est la laine à chaussettes West Yorkshire Spinners que vous pouvez trouver chez Lily Come Too et aussi chez Laine et Tricot. Et le bleu, c'était un mini que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Enfin, dans le calendrier, le seul que j'ai acheté, qui était celui de mon chip shop à l'époque. Je ne sais plus qui a fait cette couleur. Il me semblerait que c'est petit bout de laine. Voilà, c'est un truc genre quelque chose de givré ou quelque chose comme ça. C'était peut-être une couleur unique, hein, en plus. Bref. Et l'orange, c'est un mandarine de laine vilaine. Voilà, alors pour les rayures, j'ai rien fait spécial. Du coup, ça fait un petit hexagonais. Ah, on s'en fiche, c'est des chaussettes. Franchement, j'avais pas envie de me prendre la tête. Puis une fois que c'est porté, voilà. Puis vous voyez, là, de l'autre côté, il n'y a pas d'hexagoné. Hein. Donc on peut les regarder au moins d'un côté. Voilà, pour mes petites chaussettes qui fonctionnent bien et que c'est chouette. Ça aussi, encore un petit slogan de Mélie. C'est cadeau. Et c'est cool parce que du coup... Alors celle-là, moi, j'en ai plein, de la blanche. Ce qui est très pratique d'ailleurs, parce que... pour faire des contrastants, moi j'ai toujours un truc qui va bien. Et l'idée, ouais, c'est de... Alors j'ai recommencé, hein, ma petite... j'ai ma petite pointe là. Et il me reste
juste ça et ça, donc je pense que ça va être juste bien pour finir mes restes aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai recommencé, j'ai fait la pointe, maintenant c'est tout droit, juste j'ai besoin d'alterner les rayures. Ça va être nickel parce que, en fait, hier soir j'ai pas tricoté là-dessus, j'ai tricoté sur mon petit top mamzelle, parce que ça je me le garde pour ce soir, parce que ce soir j'ai soirée tricot, et que soirée tricot, on papote, c'est bien d'avoir un truc qui va tout droit tout seul, et de pas avoir à trop réfléchir, puisque le top mamzelle, je suis sur le deuxième demi-devant, et il y a une dentelle, donc il y a une dentelle plus, non j'ai fini les diminutions là, mais après il y aura des augmentations, mais il y a quand même toute cette dentelle à réfléchir. J'ai la laine qui est tombée, elle est tombée, voilà la petite dentelle, alors on voit pas bien évidemment, alors là pour le coup la laine aura besoin d'être bloquée. Voilà. J'ai peur que ce soit petit. C'est le truc qui me stresse depuis le départ. Normalement, j'ai vraiment bien pris mes mesures, mais alors... j'avais fait l'échantillon, j'ai tout fait, quoi. Mais ça me stresse quand même. Hein. On verra. Je fais confiance au patron. On verra. Puis au pire, je sais pas. Je le donnerai, j'ai une copine qui est un tout petit gabarit. Au pire, c'est elle qui le récupérera, mais bon, j'aimerais bien l'avoir quand même. Parce que c'était mon top, quoi. Mais bon, je vais pas acheter le bébé avec le Dubin. Hein. On va attendre d'avoir terminé pour voir comment ça fit, quoi. Comment ça me va. Et enfin, je voulais parler d'un truc que je vous avais déjà montré l'autre jour. Vous savez, alors vous savez peut-être pas, j'avais fait des trousses pour les maîtresses. D'ailleurs, on m'a fait trop rire Annabelle qui a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo en me disant « Oui, t'as une trousse féministe, mais pour une féministe, t'es pas, tu mets pas de trousse super maître ou maître en or. » Et oui, c'est vrai, j'ai pas fait de trousse pour les maîtres parce que bon, quand même, statistiquement, il y a plus de femmes. Hein. Puis, bon. Je sais pas en plus si les trousses comme ça, c'est vraiment... Marquer une trousse, ça sert à tout le monde. Enfin, je sais pas si c'est vers ça que les gens iraient pour offrir un cadeau à un maître. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est les deux, j'avais fait donc des trousses comme ça, et il y en a deux qui étaient un petit peu légèrement abîmées, rien de grave, mais bon, suffisamment pour pas pouvoir les vendre en l'état, puisque le tissu avait un petit peu brûlé au fer, alors que pourtant j'avais pris les précautions d'usage, mais bon. Et alors là, ce que j'ai fait, alors déjà, la technique pour enlever les traces, c'est l'oxygéner. Ça marche. Alors ça marche pas, surtout, il faut être patient, ça revient pas clean, mais ça marche assez bien. En gros, on imbibe un tissu de oxygéné. On met le tissu sur la tache de brûler, quoi. On remet un tissu par-dessus, et là, on repasse avec un fer moyen chaud. Et la trace disparaît. Alors moi, à 90%, je dirais, ça part. Donc là, j'avais plein de petites traces partout là. C'est parti. Il y en a un micro-point ici. Moi, ça me gênait parce que sans doute, je savais qu'il était là. Donc j'ai rajouté une étoile. Je me suis dit, vloup ! On continue les étoiles, ça cache bien. Et c'était vraiment un micro-point, quoi. Il n'y avait rien, mais bon... Je me suis dit, je peux, enfin moi, déontologiquement, c'était pas possible. Et celle-ci, je vais vous montrer, puisque celle-ci, c'est celle qui avait là tout brûlé là. Et alors, si vous voyez, on voit légèrement une mini trace légère juste là, alors qu'elle était brûlée tout là. Donc c'est vachement bien parti. Et là, celle-ci, je ne la vends pas, puisque pour moi, il y a quand même quelque chose, il y a un défaut. Je vais l'offrir à la maîtresse de Liam.
Voilà, parce que en plus, enfin franchement, je pense, moi je trouve que ça se voit pas. Je trouve que ça se voit pas, mais il y a quand même un léger machin, donc je ne peux pas la vendre psychologiquement. Mais je peux l'offrir, voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir avec des petites gourmandises. Et je lui offrirai ça, enfin Liam pourra lui offrir le dernier jour de l'école. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, il est moins 20, j'ai encore du temps, je vais prendre les petites trousses en photo pour les mettre en ligne, celles-là j'aimerais bien les vendre en ligne. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en ligne maintenant et voir si elles se vendent d'ici ce week-end. Si elles ne sont pas vendues d'ici la fin du week-end, je les mettrai mardi prochain à l'épicerie en bas. Voilà, ça va être ça la technique. Parce que franchement, je suis pas sûre qu'à l'épicerie... En fait, je vais vous dire mon problème. À l'épicerie, je dois payer une part en plus pour, évidemment, la marge de l'épicière, plus une... Il y a une marge en plus pour la TVA. Moi, je ne suis pas sujette à la TVA, mais elle, oui. Donc, il y a la TVA à compter. Et le problème, c'est que du coup, je suis obligée de vraiment, vraiment augmenter le prix de mes trousses pour pouvoir les vendre à un prix où moi, je m'y retrouve, quoi. Parce que bon, la part de l'épicière et la part TVA... Ça, enfin voilà, il faut, je suis obligée de les donner. Donc après moi j'ai ce qui reste et ce qui reste c'est pas toujours beaucoup. Et donc je me suis dit je vais comment dire j'en perds mes mots. Je vais d'abord les vendre en ligne, comme ça s'il y a des gens intéressés, ben, c'est cool. Et ensuite, si jamais, à l'épicerie, mais je suis pas sûre que ça se vende très bien parce que ça va faire cher pour un cadeau de maîtresse, quoi. Voilà, bon. On verra. Voilà. Je vous dirai ça, comment ça se passe. Puisque de toute façon, vous allez le savoir, vu que je vais les mettre en ligne là. Le vlog, il va se terminer lundi. Là, on est jeudi. Donc, je vous dirai si ça s'est vendu ou pas vendu. Vous saurez ça. Allez, bon, je vous laisse, je vais bosser un petit peu avant que mon étudiante, je sais pas comment on dit, la personne qui vient prendre le cours arrive, et voilà. Coucou, on est vendredi 20 truc juin, je sais pas quel jour exactement, mais bon, bref, c'est pas très grave. Il est 10h40 et en fait, je viens vous voir parce que là, je suis espantée, on dit dans le sud. j'ai mis en ligne les petites trousses super maîtresse. En fait, en 5 minutes, elles étaient vendues. Donc, je ne sais même pas quoi dire, j'ai estomaqué complètement. Merci beaucoup de me suivre dans mes trucs. J'ai halluciné quoi. Donc c'est super, je suis vachement contente que ça vous ait plu cette idée. J'ai bien envie de faire d'autres trousses à message. J'avais mis celle-ci en ligne aussi, elle s'est vendue. Alors par contre, j'ai eu un problème. Super, le site, mon site internet, je sais pas ce qui s'est passé sur cette vente. J'ai des produits qui ont été mis en double alors que j'en avais qu'un exemplaire, typiquement celui-ci. Alors celui-ci ça va parce que je peux le refaire, j'ai le matériel nécessaire, donc je vais pouvoir le refaire et le vendre et l'envoyer à la personne aux deux personnes en fait qui ont commandé. Et c'est arrivé pour une des petites trousses aussi, celle-ci. Et là le problème, c'est que je ne peux pas faire la même. Je ne peux pas parce que je n'ai plus ce tissu. Et alors grâce à Isa, Isabelle, je vais pouvoir en avoir d'autres, mais pas tout de suite, puisque faut le temps qu'elle me l'expédie et tout ça. Je vais pas le recevoir maintenant. Ce sera, je pense, pour faire des trousses pour l'an prochain. Mais j'ai comme une andouille, quoi.
Donc je lui ai proposé, heureusement il y avait une autre des trousses, celle-ci, qui n'était pas vendue, donc j'ai proposé à la cliente l'échange. Pour l'instant elle n'a pas répondu, mais voilà, j'espère qu'elle va répondre vite, parce que bon, du coup il faut que j'en puisse envoyer aussi assez rapidement les choses pour qu'elle puisse arriver à temps pour offrir aux maîtresses. Donc voilà, super, merci. Mon site internet, je sais pas ce qu'il a bugué là, mais c'est fatigant. J'espère qu'il me fera pas ça d'autres fois, parce que bon, je veux dire, sur des trousses ça va encore, mais s'il me fait ça sur tous les produits, enfin je vais faire comment, moi? Je peux, si je mets les choses et que je dis j'en ai tant, c'est que j'en ai pas 50, quoi. Donc bon. Et puis heureusement que j'étais là pour vérifier, agir tout de suite. Je suis allée directement supprimer les produits. Enfin voilà, j'ai pu réagir immédiatement. Mais si je ne suis pas là, par exemple, et que la vente se fait et qu'il se vend 50 exemplaires d'un truc, j'ai fait quoi, moi? Enfin bon, passons. Je vais envoyer un message à l'hébergeur parce qu'il y a un petit souci, quoi. Quoi d'autre? Aujourd'hui, c'est mission, ben, du coup, préparation de commande pour les trousses pour qu'elles puissent partir aujourd'hui ou demain pour arriver dans les temps chez vous pour les cadeaux des maîtresses. Et puis, sinon, j'ai de la rédaction à faire. Là, je suis en train de regarder. Enfin, non, là, vous voyez, j'ai mis Fanny. Derrière moi, c'est les babioles de Fanny Boop, son babillage créatif que j'avais pas eu le temps encore de regarder. Donc, ça, c'est pour pendant que je prépare mes commandes. Et ensuite, je vais. Comment dire ? Enfin, avant de faire ça, en fait, j'étais en train de regarder un chemin de fer qui va pas, qui a été modifié pour le cahier de maths. Donc, je pense qu'avant de me mettre à la prépa de commande, je vais finir de contrôler le chemin de fer pour m'assurer que tout va bien. Parce que s'il n'y a pas de problème, il faut remodifier et donc il faut que je recontacte l'éditrice. Donc, voilà, on s'arrange. Donc, je vais vérifier ça parce que, en fait, pour tout vous raconter. On va prendre une petite gorgée de café, le cahier de maths, le chemin de fer était faux, bah c'est ça. Pour le coup ça vient d'eux, ça vient pas de moi. En fait j'avais un sommaire et un chemin de fer. Un chemin de fer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un document qui montre ce qu'il doit y avoir sur chaque page du livre. Et en fait, entre le document sommaire et le document chemin de fer, c'était pas cohérent. Il y avait des leçons qui étaient dans le sommaire qui n'apparaissaient pas dans le chemin de fer. Bon, là j'ai dit il y a un problème quand même. Et puis alors il y avait des trucs au niveau du sommaire que je trouvais pas qu'ils avaient fait des choix très cohérents. Donc j'ai souligné un peu les choses. Et puis du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont... C'était il y a 2 jours, donc j'ai du coup mis un petit peu ce travail en attente. J'ai fait des choses quand même, mais bon, sans trop avancer, histoire de pas faire du travail pour rien. Et donc j'ai, j'attendais qu'elle me renvoie le chemin de fer. Donc là, je vais vérifier que tout est ok avant de m'y remettre, parce que si s'il y a des soucis qui mettent encore 2 jours à me répondre... sachant qu'ils sont pressés, hein, en plus. C'est pas comme si ils n'étaient pas pressés. Hein. S'il y avait tout le temps du monde pour faire ça, ok. Mais là, en l'occurrence, non. Il y a vraiment des délais un peu short. Donc, voilà. Organisation. Sinon, quoi d'autre? Pas grand-chose. Hier, ma soirée tricot a été annulée, finalement. Donc, j'ai pas tricoté ma chaussette. J'ai tricoté mon top mamzelle qui avance bien et qui est plaisant à tricoter, hein, c'est vraiment agréable. Et là je suis alors dans le deuxième demi-devant, je suis dans la partie dos, j'ai fait le devant et je suis dans le dos. Donc je viens de passer dans le dos. Et je suis d'ailleurs, si vous l'avez fait, vous savez, à la partie où on commence à... je suis au tout début du dos, où on commence à réaugmenter pour réobtenir ce... Le truc cache-cœur là. Voilà. Et j'ai vraiment hâte parce que
Il m'intrigue ce top. Ah, pardon. Il m'intrigue. J'ai envie de voir si il est assez grand, tout ça. Donc vivement que j'ai terminé le deuxième du coup demi devant, que je puisse mettre tout en rond. Et là, je pourrais déjà essayer le haut et voir un peu comment ça se passe. Surtout que j'ai dû bidouiller parce que j'avais pas le bon échantillon, donc hein, je m'inquiète. Bon, c'est pas très grave, mais je m'inquiète quand même. Et puis ben c'est tout. Sinon, c'est tout. Je suis un peu reposée, vous voyez, j'ai une meilleure mine. Hein. Je suis juste rouge parce que là, vous voyez, la belle poussée d'eczéma là. C'est trop cool l'eczéma. Ouais, j'ai de l'eczéma, donc ça c'est moins sympa, mais bon, ça passe. Et puis, mais bon, c'est chouette d'être en forme, quoi. Ça fait du bien, là, de ce matin, se réveiller en se disant... vous voyez, je baille, mais ça va, quoi. Je baille quand même, je sais pas pourquoi, mais... Mais je me sens bien. Je me sens pas au bout de ma vie, là, comme je pouvais me sentir ces derniers jours. J'étais là, j'ai pas envie de travailler. J'ai pas une grande envie de travailler, pour tout vous dire. Enfin, si, préparer les commandes, ça va, c'est la rédaction qui m'enchante moins, mais bon, c'est pas que j'aime pas rédiger, hein. J'aime bien rédiger, mais les problèmes de maths, là, j'avoue, surtout que là, il y a des trucs, genre la masse volumique, j'étais un petit peu perplexe, c'est un niveau 6e, la masse volumique en 6e, alors bon, c'est pour le Maroc, alors peut-être qu'ils sont plus avancés que nous, mais moi, ça me paraît un petit peu, un petit peu élevé comme niveau. Voilà, bon, bref, on verra bien. Je retourne. Vous voyez, je baille 15 fois en vous parlant. J'ai pas baillé une fois avant, hein, et j'allume le téléphone et ça me fait bailler. Il y a un truc, hein. Ça doit me déclencher quelque chose de vous parler. Allez, à plus. Coucou, on est samedi après-midi. Et suis en train de déballer mes colis. Déjà, j'ai reçu le tissu que j'ai imprimé, le tissu années 80. Donc ça, je suis bien contente. Il est cool. Ensuite, j'ai reçu un colis de produits de beauté. C'est très rare que j'en achète puisque, comme vous voyez, je ne suis pas maquillée. Je me maquille jamais, mais j'ai envie de me maquiller et... Du coup, j'ai demandé conseil à Laure des filles du vendredi qui m'avait fait le test colorimétrie et elle donne des conseils en maquillage sur le site Joli Moi. En fait, elle est conseillère beauté Joli Moi. Et c'est des produits où il y en a quand même pas mal qui sont assez respectueux en plus de la nature et tout ça, donc c'est plutôt cool. Pas tout, hein, parce que vous allez voir, j'ai pas pris que des trucs bio machin, mais bon. Et c'était chouette parce que du coup comme elle connaît bien ma palette de couleurs et tout ça, elle m'a rempli en fait mon panier Joli Moi avec plein de trucs et j'ai fait mon shopping parmi cette sélection qui était déjà judicieuse quoi, au lieu d'être complètement perdue sur dans l'univers merveilleux du maquillage que je connais pas et devoir choisir entre 150 couleurs quoi. Donc le résultat c'est que j'ai pris cette palette. Qui est une palette en bambou et rechargeable, donc ça, bon, je suis pas sûre d'avoir vraiment besoin un jour de recharger parce que je me maquille pas, peut-être que ça va venir, mais je me maquille pas tant que ça, mais voilà, du coup il y a une bonne gamme de couleurs, ça permet de varier un petit peu les plaisirs. J'ai pris un déo qui est sympa, c'est un pouce-pouce, voilà, et je trouve c'est bien parce que l'emballage est vraiment tout en carton, donc ça c'est plutôt bien. J'ai pris ce mascara qui est bio de chez Zao parce que j'avais du mascara mais il est tout sec donc il était temps de faire quelque chose et donc l'emballage est en bambou ouais, il a l'air très bien et il est rechargeable je crois si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. Si,
Explication pour changer la recharge. Donc il y a bien, c'est bien rechargeable. Donc c'est cool, là on dirait que c'est bleu mais en fait il est noir. J'ai pris une couleur noire. J'ai pris du démaquillant parce qu'évidemment j'en ai pas vu que je me maquille pas. J'ai pas de démaquillant. Et j'ai pris ceci qui est un rouge à lèvres de chez MAC. Couleur All Fired Up. Allez, sors. Comme ça. Je fais super bien le même marceau du rouge à lèvres. Voilà. Et ensuite, les autres choses que je déballais, c'est beaucoup plus intéressant pour vous sûrement que du maquillage, c'est de la laine. Parce que j'ai envie de faire un modèle de chausson que j'ai vu sur Instagram. C'est une copine qui m'a envoyé, ma copine Véro m'a envoyé ça. Parce qu'elle trouve ça génial. En fait, on tricote un chausson en double et on rentre une moitié dans l'autre moitié. C'est comme ça, on comprend rien, mais bref. Et le patron est en norvégien, donc voilà. Mais ce que j'aimerais, c'est faire mon propre patron de ça, parce que ça ne doit pas être bien sorcier. Et du coup, j'ai acheté, je me suis dit que j'allais utiliser cette laine, des petites potions qui étaient dans le calendrier de l'Avent. Et on va être honnête, c'est pas ma couleur préférée. Je me vois pas du tout porter ce genre de couleur. Mais au pied en chausson, pourquoi pas ? J'aurais prise en chaussettes sinon. En chaussettes, je l'aime bien. Mais pour moi, c'est... Et du coup, j'ai acheté ce rouille en kit silk pour mettre avec. Je pensais que ça irait pas mal. Effectivement, ça se marie assez bien. C'est joli ensemble. Donc j'ai pris deux pelotes de kit silk pour tricoter du coup en une épaisseur d'éca. Donc deux pelotes de kit silk. Normalement, voilà, ça me fait 400 mètres. Donc j'en ai autant que de ça. Donc tout va bien. Et j'ai pris, ah cool, de la Népal de chez Drops. Ça, c'est pour faire des chaussons à mon neveu qui a ses chaussons qui se sont troués, des chaussons feutrés. Et donc, je vais lui en refaire. Donc, j'espère que j'en ai assez par contre. Normalement, oui, j'avais noté dans mon projet Ravelry combien de laine j'avais utilisé pour lui faire. Donc, normalement ça devrait être bon. Et donc j'ai pris, il les avait avant bleu et blanc parce qu'il était avant pour l'équipe de Marseille en foot. Et maintenant il est pour l'équipe de Manchester United qui est en rouge et jaune. Voilà. Donc le jaune est pas aussi vif que j'aurais aimé. Et je ne vais pas pouvoir lui faire le motif parce que ce que j'avais fait sur ses anciens chaussons, c'est que j'avais rebrodé au point de maille le blason de l'OM. Mais là le blason de Manchester United... il est hyper balèze quoi, il écrit Manchester déjà en tout petit, donc je vois pas comment écrire sur un chausson comme ça. Et il y a un petit diable, parce que c'est les diables rouges, et il y a un petit diable, mais c'est trop précis comme dessin pour faire comme ça sur de la laine, enfin en tout cas moi je me sens pas. Mais par contre je vais lui faire genre une bordure jaune, peut-être quelques rayures, on verra. Voilà les réceptions laineuses. Et cet après-midi, je vais aller glandouiller avec une de mes copines au bord de sa piscine. Ça, c'est pas beau. Donc, je vais prendre un tricot et puis c'est parti. Coucou! On est lundi matin du, je sais plus combien de juin, 27 par là. Et je voulais vous faire le petit point tricot du lundi, parce que à chaque fois le lundi c'est le jour où je termine ce vlog, et donc je vous montre où j'en suis dans mes tricots. Et j'ai pas avancé de ouf, hein, on va pas se mentir. Et sur la chaussette, j'ai quand même un peu avancé, parce que j'ai une lumière qui est un peu intense là. Voilà où j'en suis de la deuxième chaussette de ma paire. Vous voyez, je suis sur le gousset actuellement. Là. J'ai pratiquement fini le gousset, je pense. Donc bon, ça va être bientôt terminé. Hein. Je pense que cette semaine, je devrais pouvoir la finir.
Et j'essaye d'être un peu sérieuse et de pas monter tout de suite. Vous savez, les chaussons bizarres dont je vous ai parlé, là, j'ai reçu la laine ce week-end. Et donc, j'avais très, 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 très envie de les mettre sur mes aiguilles. Mais je vais quand même essayer d'être une personne raisonnable et de terminer cette chaussette avant de faire les chaussons, histoire de pas multiplier les encours et de pas en avoir de partout. On essaye. Hop. Et sinon, le deuxième projet sur lequel je suis en ce moment, c'est le Top Mamsell, toujours, qui a quand même assez bien avancé. J'ai terminé pratiquement le deuxième deuxième demi-côté, quoi. Puisqu'on fait le demi-devant et le demi-dos en même temps. Donc vous voyez, là, ça se met, c'est un triangle comme ça. Ça se met comme ça. Désolée pour cette lumière, je suis peut-être pas au meilleur endroit de la maison pour vous montrer du tricot. Et je l'ai mis à l'envers. Donc c'est comme ça. Voilà, et je suis en train de... Il me reste, je sais plus... j'en suis où? 23, il me reste 11 rangs pour terminer ce demi-côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc autant vous dire que c'est bientôt fini. Et ça c'est plutôt cool. J'ai bien hâte. Ouais, donc je pense que ce soir ça devrait être terminé, ce demi-côté. Et ce que j'aimerais vraiment beaucoup, mais ça je sais pas si ça va être possible, parce que là je suis sur des rangs quand même un peu longs. Hein. C'est vrai que, vous voyez, quand on est dans cette partie-là, ça avance hyper vite. Mais après, on fait des augmentations, augmentations, augmentations. Et là, j'ai des rangs qui sont quand même un peu plus longs. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer mes 11 rangs manquants, plus joindre en rond avec mon deuxième demi-côté qui est là, vous voyez, vous vous rappelez, il était comme ça. Il est terminé, lui. Donc voilà, on verra bien, ce sera la surprise du soir. Youp, je range ça. Là, vous voyez derrière mes bibliothèques qui sont un peu à l'image de tout chez moi, c'est-à-dire qu'il y a des parties toujours très très bien rangées et des parties beaucoup plus freestyle, on va dire. C'est un peu comme ça partout dans ma maison. Il y a des endroits, c'est clean. D'autres endroits... Pas aussi clean. Alors, niveau lecture, puisqu'on parle, je vous parle de ma bibliothèque, je voulais vous dire que j'ai terminé celui-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans le vlog, donc au cas où, je vous le redis. Je l'ai fini. Donc, mon avis, c'est le même que celui que j'avais avant de terminer complètement. C'est-à-dire que c'est une lecture sympathique. J'étais... contente de retrouver les personnages de Whistle Stop, mais je trouve que l'histoire est un petit peu facile, c'est pas aussi bien fait que le premier niveau, que le premier tome, pardon. Je trouve que le premier était vraiment excellent. Celui-là m'a moins plu. Voilà. Je trouve ça un peu plus du tout venant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais agréable à lire. Et j'ai commencé. Celui-ci, qui est donc le numéro 4, il me semble, oui, des Chroniques de Sainte-Marie. Donc celui-là s'appelle en anglais A Trail Through Time, donc de Jodie Taylor. Je sais pas en français quel est le nom, mais c'est cette couverture. Et c'est toujours aussi chouette, les Chroniques de Sainte-Marie. On s'y prend bien, d'ailleurs, la preuve, vous voyez, j'ai à peine commencé ce week-end, j'ai déjà 85 pages, sachant que voilà, je lis un peu chaque jour, mais pas... et encore ce week-end, j'ai pas lu tous les jours, parce qu'on a eu du monde et tout ça, donc bon, on a vu des gens, ce qui est bien aussi, mais du coup j'ai moins lu, et j'ai moins tricoté aussi. Et donc oui, c'est toujours... je suis pas une énorme lectrice. Donc pour moi, 85 pages en un week-end où j'ai en plus été très occupée, c'est bien. C'est beaucoup même.
Et ouais, du coup, on se laisse vraiment embarquer dans l'histoire. Je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe parce que je sais pas, c'est un peu nul de vous spoiler quoi. Donc voilà. Mais en gros, là, on commence où l'histoire est directe. Ils sont, il y a Max et Max, c'est l'héroïne, est obligée de fuir de partout. Et donc, c'est compliqué. oui, c'est pas facile pour elle. Et du coup, ça donne un rythme très très intense comme ça, puisque elle se déplace et hop, on la retrouve et hop, elle s'enfuit à nouveau. Elle est toujours en fuite. Donc, les 85 pages qu'elle est en fuite. J'espère juste que ça va un peu changer de comment dire, de mode, parce que là, à chaque fois, hop, ils se déplacent, on les retrouve, ils repartent, nanana. Et bon, va falloir que ça change, que varie un petit peu les plaisirs, quoi, parce que ça fait 85 pages que c'est un peu comme ça. Maintenant, ce serait bien de changer. Voilà, donc j'ai hâte de voir la suite, parce que je n'ai aucun doute que ça va être très bien, puisque franchement, tous les livres de Jodie Taylor, je trouve, enfin, toutes les chroniques de Sainte-Marie, il y a ce truc très 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 rythmé. On s'ennuie pas, c'est varié, donc je pense qu'à mon avis ça va varier là incessamment sous peu, parce que c'est pas possible que ça continue comme ça de toute façon d'après l'histoire. Voilà. Voilà, non bah c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui du coup je vais clore ce vlog. Je vais donc aller faire un petit peu de montage pour vous montrer pour pouvoir que j'arrive plus à parler, pour faire en sorte que vous l'ayez dans vos écrans, hein. Parce que si je fais pas de montage et que je mets pas sur YouTube, ça reste une vidéo sur mon téléphone, et oui, ce n'est pas très intéressant pour qui que ce soit. Voilà, bon, déjà je sais pas si c'est intéressant pour qui que ce soit comme ça, mais bon. Ceci dit, puisque je parle et qu'il y a peut-être quelqu'un qui écoute, je voulais dire merci de me suivre toujours et encore et toujours. Ça fait deux fois toujours. Et j'espère que vous allez bien et moi ça va, vous voyez, ça y est, j'ai retrouvé un peu d'énergie malgré... J'ai passé une nuit encore très très pourrie cette nuit passée là. Mais ça va quand même, hein. Vous voyez, ça va. Tête correcte, tête des jours, ok. Et donc ouais, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de me suivre, je vous remercie aussi de me suivre sur le plan professionnel, c'est-à-dire pour la boutique, parce que j'ai vraiment été hyper ravie de l'accueil que vous avez réservé aux petites trousses des maîtresses. Enfin franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je m'étais dit au pire, je les mettrais après à l'épicerie si jamais ça se vend pas, machin. Et puis bah en fait tout est parti en 5 minutes quoi, parce que voilà, je sais pas, vous êtes formidables. Ça m'a fait trop plaisir. Et voilà. Donc je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !